Va clairement faire son saut en parachute. Ouais. Du coup là, fait la meuf, elle est grave pas bien. Elle a pleuré. Non, je rigole. Non, pas encore. Mais c'est sûr, je pleurais en fait. C'est sûr. Non, mais là, elle va pleurer. Moi, je suis complètement contre. Donc là, du coup, comme vous savez, on habite à Bordeaux. Mais du coup, on va faire. Qu'est-ce que tu me fais? Et donc, du coup, là, on va faire. Enfin, Megan va faire son saut en parachute à 1h30, 1h45 de Bordeaux à Soulac-sur-Mer. Okay. Et du coup, on va essayer de tout filmer. Vous allez même voir la vidéo de Megan lorsqu'elle saute du parachute, elle va être comme ça. Elle va avoir trop peur, ça va être gay drôle. Et voilà. On est clairement en train d'avancer. Megan, t'as ressenti? Je préfère pas parler parce que j'ai pleuré à tout moment. Ouais, c'est clair. Voilà. Il attendra que vous vous mettiez en place. Quant à vous, vous serez déjà en dehors de l'avion, un peu dans le vide, les jambes sous l'avion, d'accord, en train de vous demander qu'est-ce que je fais là. Du coup, comme vous pouvez voir, là la meuf elle est en train d'expliquer à Megan la sécurité pour sauter, etc. Megan elle est en train de paniquer. Même moi je panique pour elle. Mon pouls, je vais exploser. Non, franchement. Mais c'est trop beau parce que du coup elle va voir l'île d'Oléron, elle va voir Soulac et elle va voir Royan aussi. Donc c'est vraiment vers le sud-ouest. Donc c'est trop cool. Ah, regardez le petit avion. Du coup elle va descendre à 200 km/h et dès que le parachute va s'actionner elle va s'arrêter à 50 km/h, donc ça va faire un frein de ouf. Ça dure combien de temps en fait? Ça dure combien de temps? À 200 km/h ça dure 30 à 40 secondes et la après descente. Il reste longtemps, il reste 20 minutes je crois. Il reste 20 minutes je crois dans l'avion, c'est ça, 20 minutes dans l'avion histoire d'examiner, de regarder le paysage et après il saute pendant tout. Ouais, après il y a la minute, alors il y a 2500 et 3000 mètres de hauteur. C'est incroyable. Franchement, moi je suis pas capable. Oh, c'est poncé. Je pleure, la coiffure est une fille. Elle est en train de pleurer. Oh, elle a fait guetter ses yeux. Elle a fait une panique d'angoisse. Mais c'est bon, je suis nulle. Elle dit n'importe quoi. Elle pleure. Du coup, ouais, je vous jure, on l'a tous rassuré, on lui a dit non, t'inquiète, ça va être trop bien. Mais oui. Ça va mieux, Megan? Non, mais oui, Marie, c'est son jeu. C'est bon. Et tu vas bientôt décoller, c'est comment? La petite tenue. Elle a pleuré après là, donc c'est pas le moment. Elle a pleuré, genre personne n'a vu, on était tous là en train de la cacher. Elle me disait, ouais, arrête de pleurer, sinon ils vont dire tu vas pas le faire et tout. Bah, normal, ils vont voir que tu paniques, donc ils vont dire non, c'est pas possible, elle est pas apte. Du coup, elle a arrêté. Alors là. Il y a son avion juste en face qui l'attend. Elle est pas bien du tout. Megan, ça va? Faut la rassurer. Déjà moi j'ai peur alors.
énorme, non? Tu crois pas que je l'ai fait? Tu crois pas? Merci Megan. Oh my god! Mégane, je suis fier de toi parce que c'était pas évident. Merci d'être venu nous voir. Merci, ciao Mégane. Tout ça pour vous dire que c'était vraiment génial. J'ai vraiment vraiment eu peur. Et même en fait, je me dis que quand on a peur, même si on a peur en fait, on peut vraiment le faire. Et c'était vraiment magnifique, genre magique, incroyable. Genre je me remets pas. Je me dis mais ouais je l'ai pas fait, c'est pas possible. En fait si, je l'ai vraiment fait. Mais ça m'a fait tellement peur au début. Mais en fait c'est tellement génial. C'est un moment gravé à tout jamais dans ma vie, c'est incroyable, genre j'ai même pas les mots, c'est vraiment incroyable, c'est waouh, juste waouh. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé notre vlog. N'hésitez pas à aimer la vidéo, vous abonner, partager et laisser un commentaire. Petit commentaire également. Et le petit pouce bleu. Le pouce bleu. Ciao amigos. Wow.